C'est un livre que ses élèves du lycée de Céret attendaient avec impatience. Les couleurs de la liberté, un recueil de témoignages d'exilés de la guerre d'Espagne, un ouvrage auquel ces jeunes ont participé et qui permet de mieux connaître les événements historiques majeurs du pays catalan. On se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas et des personnes qui vivent encore, qui ont vécu ça et on en parle trop peu et vraiment il faut transmettre cette mémoire et la faire vivre pour que jamais ça ne se reproduise. Là, d'avoir le livre entre les mains, franchement ça fait plaisir, il y a de super belles photos à l'intérieur. Donc bon, c'est une fierté parce que bon, c'était pas facile de réduire les entretiens, de parler... de ce que nous ont dit ces gens. 17 témoignages de la retirade de 1939 figurent dans l'ouvrage. Véritable travail d'écriture et de prise de vue, un projet aiguillé par Mickaël De Wever Plana, photoreporter professionnel, mais aussi trois professeurs du lycée de Céret. Ces témoins sont dans un premier temps venus au lycée pour rencontrer nos élèves et pour leur livrer leur vécu, leur mémoire de cette période, comment ils ont vécu cet exode, alors qu'ils étaient tout petits, certains avaient 2 ans, d'autres avaient 9 ans. C'est le cas pour Agustine, âgée de 2 ans à l'époque et qui a relaté son vécu aux lycéens. Ce qu'elles ont fait, c'est plus que, je ne sais pas quel adjectif employer, pour ces jeunes filles, parce que je les ai vues à plusieurs reprises, j'en ai vu pleurer, et moi, ça, elles m'ont fait pleurer également, parce que ce qu'elles ont fait, c'est plus que magnifique. Édité en français, espagnol et catalan, la version française du livre est mise à disposition par l'association FRI, Fils et Filles de Républicains Espagnols. Par ailleurs, une exposition itinérante des photos devrait suivre prochainement.